Wisdom is calling. Would you answer? Could you answer? Wisdom is priceless. Wisdom is free. Could you answer? Tyrant, what have you done to your people? Your people can't see no future in your vision. What have you done to your people? What have you done now? Oh, tyrant. Wisdom is coming. Would you answer? Could you answer? Wisdom is priceless. Wisdom is free. Could you answer? Tyrant, what have you done to your people? Your people can see in grande bataille à Bosch. What have you done to your people? What have you done? Wisdom is calling. Would you answer? Could you answer? Wisdom is priceless. Wisdom is free. Could you answer? Tyrant, what have you done to your people? Your people can't see no future in your vision. What have you done to your people? What have you done now? Oh, tyrant. Wisdom is calling. Would you answer? Could you answer? Wisdom is priceless. Wisdom is free. Could you answer? Tyrant,
What have you done to your people? Your people can't see no future in your vision. What have you done to your people? What have you done now? Oh, tyrant. L'héritier du trône sera à la face du royaume, ne régnera pas jusqu'à ce que Oji dira le contraire. Tyrant, what have you done to your people? Your people can't see no future in your vision. What have you done to your people? What have you done now? Oh, tyrant. Wisdom is calling. Would you answer? Could you answer? Wisdom is priceless. Wisdom is free. Could you answer? Tyrant, what have you done to your people? Your people can't see no future in your vision. What have you done to your people? What have you done now? C'était qui cette idiote? C'est quelle façon de conduire comme ça? Comment elle peut rouler à vive allure là où... Ferme ta bouche, arrêtez! Réduis ta voix! Pourquoi je dois réduire ma voix? N'as-tu pas vu comment elle conduit? Si tu avais connu, c'est comme ça que tu allais réagir. Sur une route secondaire là où les gens passent, c'est comme ça qu'ils doivent conduire. Hé, hey, Charité, apaisse-toi! Pourquoi? C'est évident que tu es aveugle. Si tu connais la personne que tu es en train de insulter... Tu ne serais pas en train de réagir ainsi, je suis certaine que tu allais te cacher dans ses airs. C'est toi qui l'ai dit. Comment il peut rouler n'importe comment? Ce village n'est pas sa possession. As-tu des têtes? Charité. Oui, peut-être. Peut-être qu'il a des têtes. Oh, il peut aussi en avoir plus de deux. C'était le prince Ezebunafo. Hé! Arrête ça. Hein? Sérieux? Wisdom is priceless. Wisdom is free. Could you answer?
tyrant. What have you done to your people? Your people can't see no future in your vision. What have you done to your people? What have you done now? Oh, Mama. Maman, je m'inquiète. Ton père? Pas vraiment. Je m'inquiète à propos de mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon fils? Tu as entendu ce que le prêtre a dit? Au prochain jour du marché, il ne reste plus qu'un petit test qu'il doit passer qui va automatiquement le confirmer comme le prince promu. Tout reposera sur ses épaules. Et diriger tous les royaumes d'Issikwato comme roi. Cela dépend de ce que Oji avait dit autrefois. Et si papa se remettait sur pied? Il est question de nos coutumes et traditions. Depuis que ton père est allongé sur ses lits comme un légume, ça fait 6 bonnes années. Que ce soit le docteur ou le féticheur qualifié n'arrive pas à détecter ce qui ne va pas avec ton père. Tel qu'il est là, il est incapable de faire quoi que ce soit seul. Il a besoin d'une assistance permanente pour faire quoi que ce soit. Ça, c'est le royaume d'Issikwato. Notre culture et notre tradition stupide que dans de telles circonstances, après un temps bien précis, le successeur promis doit prendre le leadership de ces royaumes. Et cela se fera devant les ancêtres et l'œil de Dieu. Ezemo. Maman, c'est ça le problème. Toi et moi savions très bien que grand frère Eze est tout sauf un leader. Oui! Il est arrogant. Il est orgueilleux. Il est très égoïste. Il est rude. Impoli. Quelqu'un que les gens fuient dès qu'ils le voient. Maman, pour couronner les tout, il n'accepte pas les conseils. Quand frère Eze est la définition exacte d'un tyran... Nina, arrête! Personne. Personne, je dis bien, personne n'a le droit de protester ou de s'opposer à ces régimes dans tous ces royaumes, qu'importe ce qu'il est. Même pas toi. Ou qui que ce soit d'autre. Même pas dans ma vie antérieure. Hey! Wisdom is priceless. Wisdom is free. Could you answer? Tyrant, what have you done to your people? Your people can't see no future in your vision. Allô, princesse. What have you done to your people? Comment tu te portes? Tu n'as pas du tout l'air tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Ok.
Comment va mon prince charmant? Il m'a donné rendez-vous aujourd'hui, alors est-ce qu'il est là? Princesse, qu'est-ce qui ne va pas? Wisdom is coming. Would you answer? Could you answer? Wisdom is priceless. Wisdom is free. Could you answer? Tyrant, what have you done to your people? Your people can see no future in your vision. What have you done to your people? Bonjour, Ezebunafo. Vous allez bien? C'est quoi ton nom? Moi, on m'appelle Maziume. Maziume. Est-ce que l'oracle de cette terre sait que tu existes? Mon fils, je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Mais je sais au moins que Oji, le dieu de notre tais-toi maintenant. Je suis en train de te parler de l'oracle qui se tient devant toi et tu me parles d'un putain de Oji. Est-ce que l'oracle qui se tient devant toi est au courant que tu existes? Hein? Ezebunafo, le seul et l'unique prince héritier du trône, te parle. Réponds-moi tout de suite. Mon fils, cela veut simplement dire non. Et tu oses aller cultiver une terre qui appartient à la famille royale. Cela est une insulte. Je n'ai pas cultivé de terres qui ne m'appartiennent pas. Je n'ai pas... Tenez-le. Genga. Mon prince. Emmène-moi le livre de la vie. Très bien, mon prince. Dans ta prochaine vie, quand tu entendras le nom Ezebunafo, tu retiendras ta respiration. Nayon. Hey wo. Hey Ezebunafo. Pitié wo. Hey pitié wo. Pardon. Pardon wo. Épargne-nous. Hey. Pardon. Biko, biko. S'il vous plaît. Pardonne mon mari. S'il vous plaît. Pitié. Pardonne mon mari wo. T'occupe pas de lui wo. Pardonne-lui, épargne ma famille, oh. Pardon mon fils, pardon, oh. Pardon, aie pitié, oh. Personne ne questionne les ordres sur ces terres. Aucun humain. Mais je pardonne à ton mari. Hein? Hey, merci. Merci, oh. Merci. Merci, monsieur. Mais jusqu'à ce que je lui procure un certificat de vie. Elle est à moi désormais. Hein? C'est bon. Mais non, non, non. Quel jeu que les dieux sont en train de jouer avec nous, Onowu. Mais de quel jeu parles-tu comme ça? Je veux dire, à quoi fais-tu allusion? Quoi d'autre que ce qui est déjà évident? Le numéro 1. De notre grand royaume, les gardiens de notre culture. Le roi Odumodu le 7e. Il est dans l'incapacité durant les années. Aucune personne n'a demandé qu'est-ce qui ne va pas avec lui. Et depuis là jusqu'à ce moment, ce grand royaume
a eu des expériences très difficiles. Et aujourd'hui, nos dieux ont déclaré à la tête des trônes, à le leadership de tout le royaume. Et je me demande s'il avait dit que le Dieu ne voit rien du tout. Nous devons ouvrir nos yeux de voir ce qui ne va pas dans ce royaume. Mbaka, je comprends très bien l'angle que tu es en train de prendre. D'accord? Mais il y a une chose que nous ne devrions pas mal comprendre. C'est que la déclaration du grand prêtre s'aligne avec la tradition et les coutumes de notre peuple. Et dans les cas comme celle-ci où le roi ne peut plus du tout exercer au-delà des temps qui est stipulé, alors l'héritier au trône va prendre la charge de diriger le royaume. À moins que Oji, le dieu de nos ancêtres, dise autrement. Ou nous allons attendre que le roi revienne sur pied. Abomination. Une autre chose. La royauté de notre grand royaume a été héréditaire depuis des temps. Je veux dire, nous avons toujours pratiqué cette tradition depuis les jours de nos ancêtres jusqu'à présent. Et étant donné que le jeune homme a un caractère, je dirais, vraiment douteux, mais je ne vois pas pourquoi nous sommes assis ici en train de remettre en question les déclarations de nos dieux. Vous savez pourquoi? Parce que les dieux sont très sages. Et dans cette situation, les sont-ils? Est-ce qu'ils les sont? Alogota, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'importune? Hein? Hein? Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Hein? Hein? Qu'est-ce qui t'importune? Calme-toi et parle-nous. Hein? C'est le prince. Prince Ezebuna. Ezebunafo? Celui-là? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon-là? Pour qu'est-ce qu'il se prend? Il s'est quoi tout permis? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était venu chez nous attaquer. Il a envoyé ses gardes m'arrêter. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit que nous n'avons pas le certificat d'Ikoumé. Ikoumé quoi? Oui. À quoi ça sert encore? Il a dit que c'est le certificat pour vivre. Le certificat pour vivre? Et nous ne l'avons pas. Donc, il doit m'arrêter jusqu'à ce que nous aurons ces certificats. Ces garçons, Ezebunafo, il va me sentir. Nous allons lui bannir dans ce village. Un enfant mais qui nous terrorise comme ça? Tu peux imaginer. Hein? Tu dois retourner à la maison. Allez, à la maison. Tu vas y retourner. Allons-y. Ce garçon va nous sentir. Allons-y. Il ne fera rien du tout. De quoi est-ce que tu as peur même? Je dis, rentre à la maison. Ce garçon ne va rien te faire. Il n'a aucun pouvoir sur toi. On y va. Avance. Ne fais rien du tout. Ce garçon-là, c'est pas même pour qui. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Il va nous sentir. Attendez. Avance. Il saura qui fait la loi. Ne t'en fais même pas. Wisdom is free. Could you answer? Tyrant, what have you done to your people? Your people can see no future in your vision. What have you done to your people? What have you done? Tyrant.
wisdom is calling, would you answer? Could you answer? Wisdom is priceless. Wisdom is free. Could you answer? Saluez le prince. Saluez tous le prince. Saluez tous le prince. Toute la gloire au prince. Longue vie au prince. Le prince est un bon enfant. L'héritier apparent au trône du royaume du Kwato. Le seul et l'unique successeur des Igwe Odumodu Seth du royaume de Isi Kwato. Nous prions que le jour de votre règne soit long. Notre vénéreux prince, nous prions que vous viviez à jamais. Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas sur le sol pour me baiser les pieds? Es-tu une royauté? Es-tu du sang royal? Réponds quand je parle. Aisé, allez, arrête. C'est ta femme en devenir, ne l'humilie pas. Ma femme en devenir, tu as dit, mère. Elle n'est pas encore ma femme. À genoux. Agenouille-toi devant moi et baise-moi les pieds. Lève-toi. Bouge. Wisdom is calling. Would you answer? Could you answer? Wisdom is priceless. Wisdom is free. Could you answer? Levez-vous maintenant. What have you done to your people? Your people can't see no future in your vision. What have you done to your people? What have you done now? Oh tyrant. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Il est venu dans ma maison et a commencé à me harceler, ma famille et moi. D'ailleurs, il a dit que nous n'avons pas de certificat de Yuku, mais dans ces terres. Hein? Quand j'ai voulu essayer de comprendre ce qu'il voulait dire par certificat de Yuku, mais il m'a dit que c'était certificat de vie. Je ne comprends pas. Sur ma terre d'origine, c'est comme si j'étais un paria. Je devrais maintenant aller pour avoir le certificat de vie chez Eze Bounafo avant que je ne respire de l'air. Sommes-nous des esclaves? Hein? Imagine. Et nous n'avons même pas le droit de dire un mot. Voilà comment est-ce qu'ils nous ont liés ici avec ma femme avant qu'ils ne partent. Hein? Cette histoire commence vraiment à dépasser les bornes. Il serait mieux que nous pensions à ces cas particuliers. Ça, il faut vraiment en parler.
Peux-tu imaginer cela? Mes anciens, je vous prie pardon. Ne venez pas nous compliquer la situation. Laissez-nous nous gérer comme nous sommes. Hey. Laissez-nous faire face à notre sort. C'est tout le monde dans ce village qui connaît comment Eze Bounafo fonctionne. Ce qu'il est capable de faire. Oh. Depuis qu'il est revenu, je ne sais d'où. Il était allé en voyage. Nous ne vivons plus comme avant. Tout a changé. Tout le monde sait ce qu'il est capable de faire dans ce village. Mes anciens, avez-vous déjà oublié ce qu'il a fait à Mazé et Duka? Vous l'avez oublié aussi vite. Le procès qu'il a eu avec Mazé Naka a été tranché en sa faveur. Mazé Naka est resté dans la station de police avec toute sa famille pendant 2 semaines déjà. 2 semaines jusqu'ici. Il n'y a pas que ça. Mes anciens, avez-vous oublié le chief Orieso avec son équipe qui avait ouvert un procès contre la royauté? Où en sommes-nous aujourd'hui? Personne ne sait ce qui est arrivé au chief Orieso. Il a disparu. Personne ne sait s'il est toujours vivant ou il est déjà mort. Quel serait notre avenir dans ces royaumes? Naïe, Biko. Ce garçon n'est pas... Il n'est pas juste un tyran. Mes anciens, je vous prie de défendre ma famille. Nous sommes minables. Biko, je vous prie, aidez-nous à sortir de ces combats. Nous sommes pauvres. Nous n'avons pas de force pour faire face à Eze Bounafo. Aidez-nous à gérer notre vie des minables, des pauvres, des vauriens. Biko, nous... Ce garçon a frappé bien au-delà de ses limites. Oui, bien sûr. Hein? Tu vois à quel point Sika est délicat. Sika est sérieux. Sika est sérieux, quoi? Vraiment très sérieux. Quelque chose doit être fait. Tyrant, what have you done to your people? Your people don't see no future in your vision. What have you done to your people? What have you done now? Oh, tyrant. Wisdom is coming. Would you answer? Could you answer? Mon frère, j'aimerais discuter un peu avec toi. Assieds-toi. C'est au sujet de ton attitude. Et qu'a-t-il fait, mon attitude? Personne ne serait fier de la manière dont tu te comportes. Tu te comportes d'une façon que tout le monde a vraiment peur de toi, y compris les sols sur lesquels tu te tiens. Regarde, papa.
Il est allongé sur ses lits comme un légume. Ça fait à présent 6 ans et personne ne sait exactement de quoi il souffre. Que ce soit le médecin ou les grands féticheurs n'arrivent à dire exactement ce qui ne va pas avec lui. Évidemment, c'est à toi que revient le leadership. Dans quelques jours, le dernier rituel sera fait. Et tu seras à la tête de ces royaumes en tant que successeur promis. Maintenant, dis-moi, grand frère, c'est de cette façon que tu veux diriger ton peuple? C'est comme ça que tu veux diriger ces royaumes? Au moment où tout le monde a peur de toi? Grand frère, tu ne fais que sourire. Ce que je dis n'a pas de sens. Viens t'asseoir près de moi. Viens près de moi, chérie. Cela est un point particulier dont tu as parlé. Mais il y en a certains qui m'ont fait sourire. As-tu fait attention à ces points? Quand tu as dit que le peuple avait peur de moi, que même le sol sur lequel je me tiens les remplit tous de frayeur. Cela confirme juste le fait que je suis l'oracle. C'est moi leur dieu. Eze Bunafor, le roi de Issyquato. En tant que bon leader, le peuple doit avoir peur de toi. Ta présence doit installer la peur dans ton peuple. Aux simples mentions de ton nom, les gens doivent trembler et se baisser. Il y a d'autres qualités qui sont requises pour être un leader. Et je les ai absolument toutes. Toutes. Et cela inclut aussi l'arrogance, l'égoïsme, l'égocentrisme, le fait de ne jamais écouter le conseil, être rude et très orgueilleux. Grand frère, il a toujours été dit que l'orgueil précède la chute. Je suis ta petite sœur et... La seule façon de tomber, c'est seulement quand tu n'as pas l'antidote. Je suis Eze Bunafo premier d'Issyquato. Sache-le, Serette. Je ne peux jamais tomber. C'est impossible. Je demeure à jamais. Dans peu de jours, je monterai sur le trône de mes pères et je serai couronné roi de ce grand royaume. Et là, les gens connaîtront les vraies couleurs dont je suis fait. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Les gens fuiront. Ils seront remplis de sang. Quiconque veut vivre dans ce royaume doit avoir un certificat pour respirer. Et ce certificat doit être signé par moi. Sans ce certificat, j'en finirai avec ta misérable vie et te trancherai en toutes petites pièces. En tant que roi, ton peuple doit avoir peur de toi. Le peuple doit être effrayé. Quand tu bouges avec grâce, avec fierté, avec arrogance. Un roi est choisi par les dieux, pas par des mortels. Prends ton temps, lis l'histoire, va à travers le monde. Les plus grands rois ont régné en sémant la terreur à leur peuple. Pour diriger un royaume comme le nôtre, si grand, puissant et si riche comme le nôtre, tu dois être un roi sans pitié, comme moi.
Voilà, ma très chère sœur. Cette discussion est terminée. Wisdom is priceless. Wisdom is free. Could you answer? Tyrant, what have you done to your people? Your people can't see no future in your vision. Maman, je suis fatigué, j'ai faim. Où est ce monsieur qui vient nous payer notre argent? Cassie, je sais que tu as faim, mais t'inquiète pas. Maziego sera bientôt là. Et rappelle-toi, il a promis de nous payer de l'argent pour le travail qu'on avait fait il y a 2 semaines et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Cela veut dire qu'on aura beaucoup d'argent avec nous ici. Exact, nous aurons assez de l'argent pour acheter de la nourriture et aussi le médicament pour grand-mère. Donc, oui. T'inquiète pas mon fils, remets-toi au travail. Nous devons finir ces champs aujourd'hui même. Rappelle-toi que demain, nous irons travailler sur un autre champ. Tu dois t'y... Ah, Maziego. Hey, tout de suite là, mon fils et moi, nous étions en train de parler de toi. Bienvenue, nous sommes très contents de te voir. Bien sûr que personne ne voit Maziego sans être heureux. Et comme tu peux le voir, nous sommes presque à la fin. Nous avons commencé depuis le matin. Ah, ah. Oh, ça vous plaît? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, tu travailles ici. Pourquoi? Maziego, nous faisons de notre mieux. On se débrouille. C'est juste que mon fils et moi, nous n'avons rien à manger. Nous espérons que l'argent que tu vas nous donner aujourd'hui va nous aider à acheter de quoi à manger et avoir de la force pour travailler demain. Vous n'avez même pas fini le travail. Mais vous réclamez déjà. S'il te plaît, Maziego, calme-toi. Essaye de nous comprendre. Nous faisons de notre mieux. Hein? Voyez-moi cette jeune femme. Voyez-moi ça. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu feras d'autre si seulement je te donne pas cet argent? Jeune femme, je n'aime pas les gens paresseux. Et tu le sais. Tu as besoin de combien d'argent? Hey, Mazi, les boulots qu'on avait fait pour toi il y a de cela 2 semaines a fait 5000 lira. Pour ces terrains, c'est 3000, mais vous avez dit que vous allez d'abord payer la moitié. Ça ne nous pose aucun problème, ça fait 1500. Donc, 1500 plus 5000, ça fait 6500. C'est l'arithmétique. C'est pas mon truc. Merci, que Dieu te bénisse. Merci, monsieur. Je te remercie infiniment. Merci. Hey, Habibou. Prends ça. Tu peux prendre ça. Oh, Mazi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je suis censé faire avec 50 Naira? Hé, voyez-moi celle-là. C'est quel genre de question ça? Est-il normal? Utilise ça pour essuyer tes derrières après avoir quitté la toilette. C'est ça le problème avec les gens. Ils n'apprécient jamais les choses. Écoute, désolé, j'étais grondé devant ton fils. Je commence souvent à dépenser beaucoup d'argent quand je viens à cette place. Le reste de l'argent, je dois accompagner mon bébé, ma petite amie, hein? Celle qui m'attend à la maison. On doit faire les shopping. Alors, utilise ça, hein? Utilise ça, s'il te plaît. Mazi, ce n'est pas juste. Ce que tu fais n'est pas juste. Je viens de te dire que mon fils n'a rien mangé depuis le matin. On espérait avoir cet argent pour acheter de quoi manger. Tu me donnes 50 naira. Pour l'amour du ciel, mais qu'est-ce que je veux faire avec cet argent? Mazi, ne sois pas sincère, je t'en prie. Pitié. Mais voyez-moi cette femme. C'est moi, Maziego, qui te traite de cette façon-là. Tu appelles Maziego sans cœur simplement parce que je t'ai donné peu.
Ta fille dit que l'argent a été bloqué dans ton village natal, Unisikwato. Penses-tu vraiment que l'argent est très facile à trouver? Tu veux toujours l'argent à tout moment. Tu m'as provoqué. Je ne te donnerai plus cet argent tant que tu n'auras à nettoyer tous ces champs. Je réponds mes 50 naira. Stupide. Manze, s'il vous plaît, ne nous faites pas ça. S'il vous plaît, ayez pitié de nous. Ah, je t'en prie, Naï. Ta mère ne t'a encore rien dit. Écoute-moi, jeune garçon. Si ta mère ici et ta grand-mère maladive avaient accepté ma proposition, les choses n'allaient pas être comme ça. Tout ce qui vous arrive, c'est leur faute. Mazi, s'il te plaît, si peut-être tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour ces petits garçons, je t'en prie. Pitié. C'est depuis le matin qu'on travaille sans manger. Je m'en vais. Mazi, si vous ne nous donnez pas notre argent, vous allez regretter toutes vos deux jambes. Ah, ah, s'il te plaît. Redis encore. Qu'est-ce que tu as dit? S'il te plaît. C'est à moi que tu traites comme ça, petit garçon. Voilà. Mazé Gounamiegu, tu connais qui je suis dans ce village. Dans ce village, tu connais qui est Mazégu. Et tu me traites de la sorte. Je n'aime pas le genre de personne comme toi et ta mère. Hé hey! Ma jambe, oh, ma jambe. Hé hey! Ma jambe, oh, ma jambe. Ma... Toi, qu'est-ce que tu fais? Hé hey! Ma jambe, oh, ma jambe. Hé hey! Hé Mazambo, Mazambo. Mazambo, qu'avions-nous fait? Qu'avions-nous fait pour mériter ce genre de maltraitance, maman? Oh, je ne comprends pas. Est-ce un crime le fait d'être pauvre? Est-ce un crime le fait de ne pas être riche et puissant comme eux? Nous avons quitté Isikwato pour venir ici en croyant que nous allons trouver la paix. On pensait que nous serons en sécurité, que nous n'aurons aucun problème avec la famille royale. Et maintenant ça. Nous sommes ici. Nous ne faisons qu'affronter le problème. Pourquoi? Ça ira. Ta famille ira mieux. Comment? Dieu pourvoira. Je suis fatiguée. Des fois, je me dis que nous avons été créés juste pour souffrir parce que nous ne rencontrons que des problèmes. Et Dieu est là, il ne fait rien. Il observe pendant que tout le malheur du monde nous tombe dessus. Et... Regarde, il est là. C'est ce garçon qui a volé mon argent. Arrêtez-le. Qu'est-ce qui se passe? Mais arrêtez qui? Nonier? Sans vous vexer, c'est ce garçon qui vous avait dit qu'il vous a frappé comme ça? Quel garçon? Sérieux, il vous a pris votre argent? Oh oh, alors... oh, c'est quel genre de questions que tu me demandes? Écoute, je t'ai dit que ces garçons m'ont volé l'argent, mais tu es là en train de m'examiner. Si j'ai dit la vérité ou pas, laisse-moi te dire. Est-ce que tu connais l'amende que je paye en ramenant les gens ici? Et tu me prends pour un menteur? Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez ces garçons. Officier, officier, personne n'ira avec mon fils. Oui, mon fils n'ira nulle part. Je vous dis, arrêtez, madame, ne me touche pas, arrêtez. Madame, permettez-nous de faire notre travail maintenant. Non. Laissez-nous faire notre travail maintenant. Non. Non, arrêtez-le. Allez, laissez-la, non. Mais laissez-la. Madame, arrêtez, laissez-moi mon fils, garçon. Non, bien fait. Madame, non, mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi mon fils. Vous ne savez même pas comment mon fils est calé en bien. Non, non, vous allez avec lui. Allez, laissez-le. Où es-tu? Non, où es-tu? Maman. Allez, avance mon garçon. J'ai dit avance. Amène-le ici. Avance vite. Et dépêche-toi d'avancer. Faites vite. Venez avec moi. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi.
Laissez-moi un. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? On n'arrive plus à avancer, oh. Cassie, mon fils. Je t'ai dit que ce garçon était un petit diable, tu ne voulais pas écouter. Le mieux pour toi serait de courir maintenant que tu as tes deux pieds pour sauver ta vie. Mais tu vois ce que tu as fait, hein? Toi, attends là-bas, attends. Ah, mon cher, cours. Maman, oui. Maman, j'ai vraiment peur. Je ne comprends plus, Cassie. Est-il malade? Non, maman, il n'est pas malade. C'est juste qu'il agit bizarrement. Ces derniers temps, de choses étranges se passent. Je me pose beaucoup de questions concernant mon fils. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Maman, rappelle-toi de ce que je t'avais dit qu'il avait fait aujourd'hui dans les avant-midi. Je sais pas si y a un truc surnaturel avec lui. Maman! Pourquoi tu te plains comme ça? As-tu entendu, maman? Ma fille! Dieu nous a secourus. Mais tu te plains encore. Si Dieu ne nous avait pas secourus, tu allais encore te plaindre. Pourquoi? Calme-toi. Tu calmes, ma fille. Allez. Ça, c'est inacceptable. Vraiment inacceptable. Comment un homme peut intimider tout le monde dans le royaume? Ce garçon Ezebunafo a fait de ce royaume quelque chose d'autre. Abomination. C'est inacceptable. Aaron. Mbaka. Personne ici ne dit que les actions de ce garçon sont bonnes. Ce n'est pas ce qu'on dit. La vérité avec l'affaire est que nous devons procéder avec attention. Oh oui. Nous devons vraiment faire les choses avec beaucoup d'attention dans toutes les décisions que nous prenons dans cette affaire. Nous ne pouvons même pas remettre les dieux en question. N'est-ce pas? On ne peut pas questionner les dieux, on ne peut pas questionner les dieux. Hein? Pouvons-nous laisser la gouvernance de notre royaume entre les mains d'un tyran? Non, dites-moi, sommes-nous dans un régime militaire? Pas plus longtemps qu'hier, j'ai entendu dire que ce garçon est un ancien militant. Hein? Cela explique son attitude. Parce que il ne reflète en rien du tout notre bien-aimé roi, Igwe Odumo du 7e du Nord. Hein? Ce garçon se promène avec des armes par-ci et par-là. Maintenant dites-moi, vous savez ce que cela veut dire? Si ce garçon devient le roi de notre grand royaume, nous serons tous finis les uns après les autres. On ne peut pas l'arrêter brusquement. Hein? Personne d'entre nous. Hey, qu'est-ce qu'on est censé faire tout en sachant que ça a toujours été comme ça? C'est à ça que nous devons penser. Parce que la royauté dans notre royaume, depuis le temps de nos ancêtres, a toujours été héréditaire. Alors il n'y a rien du tout que nous pouvons faire concernant ces garçons. Je ne suis pas d'accord. Je veux dire, je ne suis pas d'accord avec toi sur ça. Comment tu peux dire que nous ne pouvons rien faire du tout? Hein? Ça c'est notre royaume et tu dis que nous ne pouvons rien faire du tout. Ça c'est notre royaume et nous allons tout faire. Hein? Tu veux qu'on laisse le royaume partir en vrille comme ça? Could you answer?
Je crois que j'ai une idée à ce sujet qui pourra être une solution à ces problèmes. Je crois que nous n'avons pas d'autre option ici. Hein? Comme dans notre royaume, ça a toujours été héréditaire. Depuis des années, je pense que nous devons sélectionner certaines personnes pour aller parler à ces garçons. Peut-être il nous entendra et répondre à nos préoccupations. Unduka, hein? Tu comprends cette partie humaine qui est vraiment, vraiment délicieuse. Tu sais bien. Et c'est pourquoi je t'apprécie. Hein? Je suis heureux de savoir que tu dis que nous ne pouvons pas changer la condition. Hein? Maintenant que tu nous as suggéré toutes ces belles idées-là, maintenant c'est bien, tu vois, j'apprécie vraiment beaucoup. Je suggère que tu diriges l'équipe qui ira parler à ces garçons. Hein? N'est-ce pas les anciens? Tu as raison. Uno, tu as très bien parlé. J'aime du fait que tu approuves cette idée. J'aimerais bien volontiers pour conduire l'équipe. Mais tu sais très bien que j'ai des difficultés. Alors je sais que tu n'as pas tort. La réunion doit être fixée. Alors, Onou, dans la traduction, c'est le premier ministre de notre royaume qui doit diriger l'équipe pour aller parler à ces garçons. Ces garçons vont te respecter définitivement. Mais non. Ah, Unduka, tu as mal parlé cette fois-ci. Tu as mal parlé. Donc tu m'as vraiment pris à un petit niveau. Que j'aille parler à ces petits garçons. Dites-moi. Hein? Tu sais que je suis le premier ministre traditionnel de ce royaume. Je suis vraiment une grande personnalité. Et tu attends que j'aille supplier ces petits garçons qu'ils arrêtent de nous oppresser? Impossible. Ce que j'attendais que tu dises est que Kiyokaka ici présent dirige cette équipe-là. Tu sais qu'il a fait la communication des masses à l'université. Et tu sais qu'il a cet atout. La dextérité de bien communiquer avec les gens. Hein? En fait, pourquoi nous tournons autour du pot comme ça? Hmm? Par le pouvoir qui m'a été conféré comme le premier ministre traditionnel de ce royaume. Je mandate Ukaka ici présent à diriger l'équipe qui ira parler à ces petits garçons. Hé! Oh non! Tu as bien parlé. Mais est-ce que tu as oublié que le Ukaka que tu vois ici est une personne très agressive? Est-ce que tu as oublié que je suis très brutal? Je suis une personne très agressive et tu me demandes d'aller voir ce petit garçon. Si je m'accapare de lui, je vais le tuer. Je vais le tailler en pièces. Et en ce moment, vous tous allez dire qu'il a tué le seul héritier au trône de notre royaume. Hein? D'ailleurs, ce garçon n'a pas les qualités pour faire partie de ce royaume. Hein? Vous savez ce que je peux faire? Non mais dites-moi, qui est-il même? Qui est-ce qu'il pense qu'il est? Si je le vois, je vais le tuer. Je vais le tuer, je le mettrai en pièce. Je suis un homme brutal. Arrête ça! Arrête! Oh, tu vas le tuer, tu vas le tuer. De quelle manière? People can see no future in your vision. Bonnie, arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtons ça, hein? Comment un si grand royaume comme le nôtre peut être terrifié à cause d'un seul homme? Qu'est-ce qu'on dira à nos enfants? Mbaka, écoute, tu ne sais pas qu'est-ce que je dis. Alors, il faut que tu te taises. Il faut que tu te taises, sinon... What have you done to your people? What have you done now? Oh, tyrant. Is it enough? Je peux comprendre qu'il y a une conspiration qui se prépare dans le gouvernement de ce royaume. Mon fils, personne n'est en train de conspirer contre toi ici. La vérité est que nous, tes pères, nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents du fait que tu pars en ville partout pour menacer tout le monde dans ce royaume. En fait, cette communauté était en paix avant que tu retournes à la maison. 6 ans avant, nous devons te dire. Nous sommes tes pères. Exact.
On ne peut pas te décevoir. Mais la manière dont tu traites les gens, nous ne sommes pas du tout heureux. Je vois. Sachez que vous n'avez que deux options maintenant. Ceux qui seront pour moi, le parti au pouvoir, et ceux qui seront contre moi. Mon fils, il n'est pas ici question de parti au pouvoir ou de parti qui n'est pas au pouvoir. Tu as bien entendu, Mbaka. Nous, tes pères, ne sommes pas heureux. Nous ne sommes pas heureux du tout. C'est vraiment un tabou pour nous, les anciens de ces royaumes, de rester calmes alors que les choses se passent mal ici. Ikenga. Mon prince. Emmène-moi le livre de vie. Très bien, mon prince. Si vous êtes pour Ezebunafor, par ici. Si vous êtes contre Ezebunafor, par là. Mon père était un roi très faible. Et cela explique pourquoi il a fini la manière dont il a fini. Mais les choses ont changé maintenant. Il y a un nouveau gouvernement dans ce royaume. Le gouvernement de Ezebunafor Ier d'Isikwato. Mes mots sont la loi. Si vous avez un anti-gouvernement qui proteste contre moi, j'aurai vos têtes en petit déjeuner. Et je ne m'arrêterai pas là. Je taillerai tous les membres de votre famille en petites pièces. Petites pièces. Ce royaume m'appartient à moi. Qui est le responsable? C'est lui. C'est Ono. Non, c'est toi. C'est toi. Qui est responsable de ce royaume? C'est toi. Si vous êtes pour moi, dites pour. Pour. Si vous êtes contre moi, dites contre. Le ciel Tyrant, look what you've done to your people. Oh, tyrant, look what you've done to your people. Oh, no. Wisdom is calling. Hey! Vous avez vu ça?
Voilà ce qu'il a fait. Il nous a voilà, vous étiez là tous en train de les menacer. Mais nous devant les mais il était là. Vous n'êtes qu'un beau rien fait. Non, non, tu n'aurais pas dû. Vous êtes des beaux parleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Nos vies sont en danger. Tyrant, what have you done to your people? Your people can't see no future in your vision. What have you done to your people? What have you done now? Oh, tyrant. Is it Bunafo? Tyrant, look what you've done to your people. Oh, tyrant, look what you've done to your people. Oh, no, no, no. Wisdom is calling. Wisdom is calling. Would you answer? Could you answer? Wisdom is priceless. Wisdom is free. Could you answer? Je suis désolée, mon prince. Je suis dérangée de mon attitude parce que j'étais tournée le dos. J'ai fait une erreur de me laisser être emportée par mes émotions. S'il te plaît, pardonne-moi, je te promets que cela ne se répétera plus. Je savais que tu reviendrais. Cela montre que tu es sage. Et tu sais exactement ce que tu veux. Ta loyauté a fait de toi une royauté. Pour ce petit acte, je ferai de toi ma reine. Viens donc t'asseoir avec moi et bois avec moi. Merci beaucoup, mon prince. Merci. Ha ha.
Bois avec aisé, mon enfant. Tout ce temps. Merci, mon prince. Je peux te faire un câlin? J'aurais appris que tu étais sorti avec le membre du cabinet la fois passée. Tu es fort, je n'en doute pas. Mais alors, je veux que tu comprennes que tu étais allé très loin en faisant cela. Si la décision finale pour que tu deviennes roi de ces royaumes repose sur ces hommes que tu as fait arrêter, dans ce cas, je te dirais que tu t'es tiré une balle au pied. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il est question de la tradition qui a existé depuis la nuit des temps. Dictée par les dieux, ils n'ont pas d'autre choix, ils ne peuvent qu'accepter. Mais peu importe, je m'étais quand même excusé auprès d'eux. Tu as insulté la royauté, mère. Je te demande pardon? Tu as insulté le leadership. Pourquoi t'es-tu excusé? Le but est que tu puisses t'asseoir sur ces trônes et rien d'autre. Aisé. Tu ne feras pas directement ou indirectement quelque chose qui va te faire louper le but. Demain, Aizé, moi et le membre du cabinet seront ici pour accomplir les derniers rituels qui vont te confirmer automatiquement comme les prochains successeurs. Le bâton d'Ojo sera placé sur le trône. Tout ce que tu dois faire, c'est le prendre avec ta main et l'élever. Et tu seras confirmé. Le leadership de ces grands royaumes sera tout à toi. Oui. Donc calme-toi. Mais bats la terre. Thank you.
Hey, reviens ici. Ezemo, j'ai dit reviens ici. Quelle humiliation. Quelle insolence. Mais quelle insulte. Nous étions tous là à attendre que ce vieux babouin puisse commencer le rituel et me couronner roi. Voilà qu'il vient juste de se trimballer comme un poisson. Hein? Pourquoi? Dites-moi. Cela veut juste dire qu'il est incompétent. Et donc pourquoi est-il les émo? Pourquoi? D'ailleurs, il est viré. Il n'est plus les émo de cette terre. Oh non! Trouve quelqu'un d'autre. Nous avons des garçons. Nous avons des jeunes garçons sur ces terres. Des garçons mieux que ce vieux fou. Sans fois même ce vieux fou. Ils seront bien meilleurs que ce Ezebo. Quelle insulte. Quelle merde. Je suis le roi Odumo du 8e. Aucun homme ne peut m'insulter et demeurer en vie. Ce n'est pas possible. Mère, tu as vu ce qu'il a fait. Arrête ça, s'il te plaît. Celui-là n'est qu'une merde. Je suis le roi de ce royaume. Ce n'est qu'un sale fou. J'en ai fini avec vous tous. 1, 2, 3, 4, sortez tous. On est où, assieds-toi, nous avons quelque chose dont nous devons parler. Stupidité. Mère, je deviendrai roi. Avec ou sans ce rituel, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout ce que je voulais entendre. Qu'est-ce que c'est? Ezi! 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 Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Parle! Ezi! Ezi! Qu'est-ce qui se passe? Mon fils! Allez, dis quelque chose! Ezi! Oh mon dieu! The gods are not stupid. The gods are wise. Man may be fast, thinking he's mad, but the gods are wise. Eyes of the foolish, meekness is weakness, yeah. So he goes around loving up and down, causing destruction. In his mind, wrong is right, in his sight, good is bad. For whom the gods have mapped for destruction, they will cast to heed no advice. Yeah, oh yeah. God's so wise. Might take some time, but it's sure. God's so wise. Might take time, might take a while. God's so wise. Yeah. Days will come, years will go by. God's so wise. Will rise, yeah. But if you just stay strong, this hour will pass. If you're in a body, okay, me kono. If you're in a mind, get up, okay, citizen. Evil will rise. But evil will fall. Trial will last, but victory is sure. No matter what the circumstance, it's gonna be okay. Don't be afraid, cause truth is mm-hmm.
Je peux voir des forces. Des forces maléfiques qui surgissent. Elles ont déjà commencé à s'approcher d'une très longue distance. Elles sont là pour nous prendre notre royaume. Des forces maléfiques. Des forces maléfiques. Aya les grands. Les yeux de nos dieux. Nous sommes confus. Est-ce que ceci a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé aujourd'hui au palais? Aujourd'hui, suivant les coutumes et la tradition de notre peuple, le seul fils de notre roi Odomodo, Eze, devrait laisser ses sceptres de royauté placés sur le trône. Et c'est comme ça qu'il allait être automatiquement désigné comme l'héritier du trône. Et là, il pouvait prendre la place du roi. Mais tu es venu et reparti sans aucun mot. Nous sommes confus. Y a-t-il autre chose à cela? Je veux dire, y a-t-il autre chose que nous voulons savoir? Dans exactement 2 semaines, notre grand royaume, Isikwato, aura un héritier. Les dieux sont sages. Meekness is weakness. So he goes around loving up and down, causing destruction. In his mind, wrong is right. In his sight, good is bad. But whom the gods have mapped for destruction, they will cause to heed no advice. Yeah, oh yeah. God's so wise. Might take some time. But it's sure. Might take time, might take a while. Yeah. Days will come, years will go by. Just stay strong. This hour will pass. If I chin up, what do you? Okay, me kwano. If I chin up, my kido kage citizen. Evil. Père, tu es resté comme ça depuis que tu étais revenu du palais. Est-ce que tout va bien? Père, ça a été? Père, Onyekachi. Oui, père. À
As-tu bouilli l'eau que je t'avais demandé de bouillir pour moi? Oui, père. In the eyes of the foolish, n'as-tu pas remarqué les silences dans les palais il y a cela 4 jours? Le palais? Oui. Ou tout le royaume? Le prince a été rendu silencieux par les dieux, ou encore même rejeté par les dieux. Mais sois très prudente de ce qui sort de ta bouche. Que veux-tu dire par le prince a été rejeté par les dieux? Il était juste puni parce qu'il était assis sur le trône sans pour autant passer par le rituel de la purification. Cela ne veut pas dire qu'il a été rejeté par les dieux. Ma chère, sache que le régime est déjà changé. Ok. Ma chère, rejeté ou même changé, n'est-ce pas que c'est la même chose? Bien, au moins ils auront compris cet adage où on dit que l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Enfin, ça c'est même pas mon problème. Mange dans ces palais et que au moins tout le monde a la liberté de travailler comme il veut. Sans peur ou encore sans être effrayé par ses princes. Sérieux? Oui. Ma chère, un tigre reste toujours un tigre. Peu importe. Qu'il soit endormi ou debout. Veille sur ce que tu dis. Sois attentif à ce que je vais te dire. Chut, chut, chut. Pourquoi? Ce que tu vois n'est pas ordinaire. Ce que tu vois là-bas n'est pas une chaise ordinaire. Le trône du royaume d'Issiquato n'est pas ordinaire. Il est mystérieux, donc sois prudent. Les mystères qui se cachent derrière ces trônes, au-delà de la compréhension humaine, personne ne s'assoit sur ces trônes sans pour autant accomplir les derniers rituels. Aisé, écoute-moi. S'il y a quelque chose que tu dois respecter toute ta vie et ne jamais blaguer avec, c'est le trône du royaume d'Issiquato. Oui. C'est pas pour t'effrayer que je te l'ai dit, mon fils. Mais plutôt pour t'apprendre ce qui est bon pour toi. Qui es-tu? Et qui tu deviendras une fois que tu seras assis sur ce trône? Ce n'est pas du tout nouveau que ce royaume fait partie des plus grands de cet état. Il est béni de beaucoup de choses. Sa population, la nature et de minerais. L'une des raisons pour laquelle il est plus connu au niveau fédéral, c'est leur envie pour le pétrole. Bien que ce qui s'est passé sur le trône, il y a de cela 4 jours, reste toujours un mystère. Pour nous, cela n'est pas vraiment un signe de rejet, mais ça te pousse à comprendre l'importance de toujours suivre la procédure et de le faire avec attention. C'est de cette façon
quel ennemi ne t'aura pas. Le trône de ton père est l'une des raisons pour laquelle je t'ai fait revenir. Et tu ne dois pas oublier combien cela est important pour toi, pour moi et pour tous les membres de la famille. Aisé, tu dois comprendre que le trône de ton père est la chose la plus importante de ce monde. Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour se rassurer que le trône puisse rester à nous. Aisé, c'est pour ton bien que je veux que tu accèdes à ce trône. Il y a de la richesse dans ces royaumes. Je te l'ai dit, mon fils, ici et maintenant. Le trône du royaume d'Issyquato, les gens se battent pour ça. Et voire même s'entretuer. Depuis un moment, je voulais vous dire quelque chose. Et je crois que c'est très important pour vous. Ça concerne le trône. Le trône de ce royaume. Mais, premièrement, je veux vous remercier d'avoir fait de moi votre assistant personnel. Et j'aimerais que vous sachiez que, quel que soit ce qui vous dérange, me dérange aussi. Droit au but, Ikenga. Mon prince, ce n'est plus une nouvelle que le prêtre et le faiseur de roi a automatiquement annulé les droits qui faisaient de vous l'héritier du trône de ce royaume sans aucune bonne raison. Mais il revient encore nous dire que l'héritier du trône de notre grand royaume va être connu dans 2 semaines de marché. Ce qui est 3 jours à compter de maintenant. Mon prince, il faut mettre les choses au clair. J'ai pris tout mon temps pour analyser toute la situation. Et cela ne me semble pas logique du tout. Mon prince, je sens les dangers. De quoi est-ce que tu parles juste? Mon prince, il y a peut-être une menace au trône. Oui, mais d'abord,
J'ai eu l'impression que ça peut être un complot du prêtre et du faiseur de roi. Mais à un niveau, il fallait que je réfléchisse un peu différemment. Oui, on m'a appris à planifier en avance, à prévenir des dangers potentiels. Mon prince, 3 jours, c'est une courte période de temps pour que quelqu'un croise ses bras et attendre un résultat aléatoire. Dans les 3 prochains jours, les jours dont on parle, mon prince, je comprends combien ce trône est important pour vous. Et je suggère que vous battiez le fer quand il est encore chaud. Comme le dicton qui dit, échouer à planifier, c'est planifier d'échouer. Mon prince, je pense qu'il faut que nous fassions quelque chose. N'importe quel jour, nous ne savons pas qu'est-ce qui peut arriver. Il faut que nous ayons des plans pour chaque situation. Parce que les jours sont dangereux, mon prince. Ici Nebo Kidi, Nebo Kidi. On vous est le Kidi, on disait qu'on est fait. Ah oui, ma non, on dit on fait. Ah si, ma dit on fait. Il fait du nabo de Kuno. Il fait du nabo moke. Il fait du nacho bodo. O de quoi bourra quoi non non non. O de quoi bourra quoi non non non. O de bourra quoi non non naka. Inga kwa lifa jina chobodo. Inga kwa lo bioma. Inelo kwelo lo makande nachi. Keduze maka. Ejide, mes salutations, ma reine. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a vu mon fils? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a aperçu. Moi, je ne l'ai pas vu. Salutations, mère. Où est ton frère? Je ne l'ai pas vu. Je viens derrière de sa chambre, mais je ne l'ai pas vu. J'avais besoin de discuter avec lui. Maman, est-ce que le faiseur du roi a dit quelque chose? Et qu'a dit le grand prêtre? Salut, ma princesse. Maman, est-ce que cela veut dire que le leadership du royaume d'ici Kwato de plus est nôtre? Maman, est-ce que... il y a quelqu'un d'autre qui se bat pour ses trônes avec mon frère? Mon fils deviendra roi à l'absence de son père. Igo Dumodu Set et personne d'autre. God so wise, they're wise. Oh yeah. In the eyes of the foolish, meekness is weakness. Yeah. So he goes around loving up and down, causing destruction. In his mind, wrong is right. In his sight, good is bad. For whom the gods have mapped for destruction, they will cause to heed no advice. Yeah, oh yeah. God's so wise. Might take some time, but it's sure. God's so wise. Might take time, might take a while. God's so wise. Yeah. Days will come, years will go by. Le roi a un autre fils quelque part.
un fils d'une autre mère qui n'est pas la tienne. Oui. Il est en train de convoiter au trône des royaumes du Sikwato. Je suis en train de contester le trône de mon père avec quelqu'un. Sa mère est toujours vivante. Ta chance pour prendre le trône du royaume du Sikwato est de 50-50. Ou encore moins que ça. Tu dois l'écarter ou lui va t'écarter. En lui résident des grands pouvoirs jamais vus. Et il est déjà prêt. Destiné au champ de bataille, n'a peur de rien. Oui, tu dois partir et nous ramener ce qui nous revient de droit il y a plusieurs années passées. Oui. Le trône tient et patient. Toi, sur ce trône, le royaume de Isuakwato sera sous mon contrôle. Isuakwato sera sous mon contrôle. Ce que tu connais, il les connaît aussi. L'œuf que tu as, il en a aussi. Tu vas apporter la ruine dans ta famille. Qui est cette fille sans importance? Qui a décidé d'aller dans une mission mortelle? Ta mission est de le mettre hors de la course. Oui, mais elle est en dehors de la course. C'est alors que moi, ta mère, Ocholago, la tigresse, Je finirai ce que tu as commencé. Une proche à toi a biaisé la succession du royaume à un esprit têtu. C'est même la raison pour laquelle sa photo n'apparaît pas ici. Puisqu'elle a planté son fils dans votre famille royale. Son fils était un dispositif de destruction à qui elle a donné la mission d'accéder au royaume de Isuakwato. Isuakwato. Oui. Oui. Isuakwato. Isuakwato, tu dois les remporter. 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 Son but, c'est de doter ton fils de la course. Pour qu'il devienne roi. Mensonge! Une blague de mauvais goût. C'est vraiment une blague. Ça ne peut être vrai. Non!
Akungwa, dis-moi, que dois-je faire pour les arrêter? Je vois une grande gueule. Mais alors, qu'est-ce que tu m'as appelé? Agogo. Moi, Boko. Moi, Bako. Moure, ma voix. Moura, voix. On a? Dans le village lointain de Indiago se trouve l'ennemi que tu cherches. Dans ce village Indiago vit un médium et son nom c'est Idioma. Sa maison c'est la dernière construction dans ce royaume. Il y a du silence absolu. Elle va te conduire chez ton ennemi que tu cherches. Elle va renverser tous tes ennemis. Comme je t'ai dit récemment, en lui résident des grands pouvoirs. Il est déjà prêt. Je veux que tu saches que tout ce qui a pu t'arriver ces derniers temps a été provoqué par des pouvoirs mystiques. Sois prudent. Ses pieds ne doivent pas atteindre le palais. Si c'est le cas, le GP s'est retourné contre toi. Une de ces deux choses est attendue à la fin de ton heure. Soit tu vis, soit tu meurs. Tue-le et tu n'auras aucun rival. Le royaume sera à toi aussi longtemps que tu vivras. Plus tôt tu le tues, mieux ce sera pour toi. Aïe, j'ai très mal aux hanches. Ok, maman, je vais avancer doucement. J'ai mal. Ça va aller. Aïe, doucement. Tiens, elle est comme maman, je t'en prie. Oui. On y est presque. Aïe, oui. J'ai mal. Laissez-nous les passages. Quittez là. Sortez du chemin. Regarde, il y a un véhicule qui arrive, non? Non, maman, comment faire pour mieux vous dégager? Dégagez le passage. Mais vous tenez, non? Maman, comment faire les choses? Mais quelle insulte, mon Dieu. Non, non, laissez ma maman. Laissez ma maman. Non, laissez ma maman. Laissez-moi. Non, mais qu'est-ce que...
Écoutez, le palais du royaume de Issyquator est à nous. Mais ingrate qu'elle est, elle a volé ce qui est à moi. Elle m'a démise de mes droits. Bianca m'a démise de mes droits. Tu dois y aller. Tu dois aller affronter ton ennemi pour ramener ce qui nous appartient. Ramène la royauté. Ramène ce qui nous revient de droit. Tu dois le posséder. Ramène-nous l'héritage de notre lignée. Oui. Par ma parole et mes instructions, la victoire sera à toi. La victoire est à nous. Pars maintenant. Pars. Pars. Ouché. Vas-y. Ramène-nous la royauté. Vas-y. Pars. Pars. Ouché. La maison en question. Comme vous pouvez voir, c'est la dernière construction du village, comme décrit. C'est ici la maison de Yoma. Elle habite avec sa maman, aveugle, et aussi avec son fils. Ah, cassez mon vie. Cassé Mobi, comment tu vas? Ces hommes sont venus pour les saluts du royaume de Issyquator. Ils sont venus voir ta mère. Est-ce qu'elle est là? Je veux que tu aies appelé ta mère. Dis-lui que les hommes puissants du royaume de Issyquator sont venus la voir. Dépêche-toi. On ne peut pas traîner la royauté. Ma mère n'est pas à la maison. Ah ah! Où est-ce qu'elle est partie? Messieurs, comme elle n'est pas là, je vous suggère de l'attendre. Si la visite s'avère urgente, je dois me dépêcher pour ma maison. J'étais en voie d'acheter un truc pour ma mère avant que je ne puisse vous rencontrer. S'il vous plaît, je dois m'en aller. Cassie,
Prends bien soin de toi, je te verrai plus tard. Petit garçon, où se trouve ta... N'osez même pas ajouter un pas de plus. Restez là où vous êtes et dites-moi c'est quoi votre mission. Quelle est cette mission pour laquelle vous cherchez ma mère? Très bien, mon garçon. Nous sommes venus pour... Moi, je ne suis pas votre garçon. D'accord. Nous apportons des bonnes nouvelles. Du palais de Dumodu, du royaume de Sukwato, pour cette maison. S'il te plaît, dis-nous, où est ta mère? Où est-elle? Et qu'est-ce qui vous fait penser que je vais vraiment vous révéler où est ma mère? Je connais de telles choses. Rien d'étrange. Allez chercher celui qui ne comprend pas ces choses. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Wisdom is coming. Would you answer? Could you answer? Wisdom is priceless. Wisdom is free. Could you answer? Tyrant, what have you done to your people? Your people can see no future in your visions.